traitons aujourd'hui dans la série « Mille chemins » d'un itinéraire particulier, d'une voie particulière, qui est celui de la mystique, enfin d'une mystique plus précisément, qui était Marthe Robin. Pour en parler, nous recevons Sylvie Simon, qui est écrivain, qui a 26 livres à son actif, traitant différents sujets, dont la santé et les enfants indigos. Et Reynald Roussel, qui est aussi écrivain et qui a un rapport privilégié avec l'au-delà. Et tous deux, vous avez eu la grande chance de rencontrer Marthe Robin. Et vous allez donc nous en parler. Très rapidement, je vais résumer pour ceux qui ne la connaissent pas les grandes lignes de la vie de Marthe Robin. Elle est née en 1902 dans une ferme de la Drôme à Châteauneuf-de-Galaure. Elle fréquente l'école primaire communale, bien entendu. Et alors qu'elle a environ 16 ans, elle ressent les premiers symptômes d'une encéphalite qui la conduira à une paralysie qui elle-même conditionnera toute sa vie, où elle restera alitée jusqu'à sa mort. Mais il ne s'agit pas, je m'empresse de le dire, d'une malade comme les autres. Et c'est ce que Sylvie et Reynald, vous allez nous expliquer. Bon, en vérité, c'est ça. C'est pendant la guerre, elle a dit justement, je fais don de mon corps à la France. Et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée paralysée du jour au lendemain. Et quand on l'a rencontrée, c'est pas une femme malade. Elle était couchée, elle était alitée puisqu'elle ne pouvait pas tenir debout. Elle avait du reste les jambes repliées sous elle, ce qu'ont fait certaines personnes dans son cas. Et c'est rare parce qu'essayer de... Et moi, je l'ai rencontrée dans le lit de son enfance. Elle avait un tout petit lit qui était, je pense que c'est la même chose chez vous. Et elle avait un petit lit parce qu'elle avait les jambes repliées sous elle. Donc vous l'avez rencontrée donc dans la ferme familiale qu'elle n'a jamais quittée. Elle n'a jamais quitté. Voilà. C'était en quelle année? C'était en 1980. C'était un an avant sa mort, à peu près un an. Alors, pouvez-vous nous raconter ce... Alors, moi, je suis allée la voir parce que j'étais un peu sceptique. On m'avait parlé de Marthe Robin. Je me suis dit, bon, mais pour une fois qu'il y a une sainte qui est un peu à notre portée, je vais essayer de la voir pour voir si elle est aussi sainte que ça ou si tout ça, ce sont des grimaces ou autre. J'étais sceptique. Je ne disais pas que c'était faux, mais enfin, je n'étais pas du tout convaincue. Donc, je ne suis pas allée avec l'œil du croyant qui croit sans chercher à comprendre. J'ai toujours cherché à comprendre. Et nous avons décidé de partir. On était un groupe de 6. Et nous avons décidé d'aller la voir, et nous sommes inscrits pour faire une retraite. Et le premier jour de la retraite, moi je me suis heurtée, j'ai toujours été un petit peu parpaillotte à ce point de vue-là, je me suis heurtée au prêtre qui faisait un enseignement et qui disait « Oui, mais vous comprenez, étant donné que nous détenons la vérité. » Je lui ai dit « Écoutez, je me suis levée, je lui ai dit « Est-ce que vous détenez la vérité? Est-ce que vous avez déjà entendu un bouddhiste dire qu'il détient la vérité ?» Il m'a répondu « Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne la détiennent pas. » Alors là, déjà, je me suis dit, bon, ben, je crois que l'enseignement, je ne vais pas rester, et je voulais rentrer à Paris. Et un de mes amis qui était là m'a dit, mais écoute, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'on est très bien reçu là-bas, le séjour coûtait un prix ridicule à l'époque, c'était, je crois, 50 francs par personne, pour être merveilleusement nourri par des bonnes sœurs qui faisaient une nourriture, tout ce qu'il y a de plus biologique et saine. Les chambres étaient extrêmement propres et correctes, c'était très bien, on s'est dit, bon, puisqu'on est inscrit et qu'on a déjà payé, on va passer les vacances et on va rester là. Donc nous sommes restés là, n'assistant pas du tout au cours, parlant alors qu'il y avait la loi du silence, on a été insupportable et on s'est dit, et le premier jour, le père Finet a dit, voilà, vous êtes 200, mais parmi les 200, il y aura une dizaine au maximum d'entre vous qui seraient choisis, donc ne comptez pas être choisis, mais vous savez, Marthe vous prendra dans ses prières, ce sera la même chose. Alors, on savait qu'on ne serait pas choisi du tout. Et le mardi après-midi, après le déjeuner, on a voulu faire une balade. Tous les jours, on allait se promener. On était comme à l'hôtel. On n'assistait pas du tout au cours. Et nous sommes allés nous promener. Et tout d'un coup, en descendant de ma chambre, je me suis aperçu que j'avais mal aux pieds. Je suis allée me changer de chaussures, heureusement. Et en descendant, j'ai vu des gens qui étaient attroupés. Et j'avais une de mes amies qui était avec nous, qui était une femme merveilleuse, qui a disparu maintenant, elle avait à l'époque 80 et quelques années, et elle a dit, bah, écoutez, moi je suis la seule, si vous voulez, si Marthe ne veut pas, je donne ma place, si Marthe me choisit, je donnerai ma place à quelqu'un. Et j'ai dit à mes amis, s'il y en a une de nous qui sera choisie, ce sera Lucie, pas une autre.
Et donc, au moment de descendre, quand j'ai vu tous ces gens attroupés, j'ai pensé que c'était les gens qui seraient vus par Marthe, je suis allée lire la liste pour voir si par hasard, il n'y avait pas cet ami. Et je suis passée de bas en haut. J'ai vu qu'il y avait trois noms que je ne connaissais pas, il y avait cinq personnes ce jour-là. Et le deuxième était un de mes amis, qui était avec nous, qui s'appelait Philippe. Et puis moi, j'étais en premier. Et je vois Mademoiselle Simon. Alors, je vais immédiatement à l'entrée en disant, écoutez, Mademoiselle Simon, moi, je suis Madame Simon. Est-ce que... Elle me regarde la liste, elle me dit, vous êtes Sylvie Simon, Marthe vous attend. J'ai déboulé dans la salle où mes amis m'attendaient au milieu du silence général en disant, Philippe, Marthe nous attend. Et on est parti. Alors, donc, on a été reçus par elle. On a, c'est sa cousine qui faisait entrer, qui m'a dit, vous savez, n'ayez pas peur, elle est dans le noir absolu parce que elle a une maladie des yeux. Elle avait aussi fait le don de sa vue, de ses yeux à la France, et elle ne voyait pas, apparemment. Mais il fallait qu'elle reste dans le noir. Donc, vous allez voir, vous serez dans le noir, n'ayez pas peur, je vous prendrai la main et vous assierez sur un petit escabeau à côté d'elle. Et quand je suis entrée dans la pièce, pour moi, la pièce était illuminée. C'était comme si elle était elle-même une ampoule électrique. Et les coins de la pièce étaient noirs. C'est là que je me suis rendu compte que c'était son aura, mais ce n'était pas simplement l'aura comme on la voit autour des seins, c'était comme une boule de lumière, elle éclairait la pièce. Alors on a un petit peu bavardé, et j'étais sidérée par ce ton jeune, gai. Elle était vraiment, elle respirait la joie et le bonheur. Il faut dire qu'elle avait quel âge ? Elle avait 80, donc elle avait 79 ans à l'époque. Mmh. Elle n'avait pas près de 80. Et puis, on m'avait dit, vous posez les questions que vous voulez. Je ne vais pas évidemment poser les questions ni personnelles, ni questions financières et tout, parce que vraiment, auprès d'une femme comme ça. Et alors, il y a quand même une chose très forte. Je ne suis pas du tout impressionnée. J'ai rencontré des gens très importants dans ma vie sans être plus impressionnée que si c'était le voisin d'à côté. Et là, j'ai senti que quand je suis entrée dans sa chambre, mes jambes se sont mises à trembler. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Et j'ai senti que je passais comme dans une autre dimension. J'étais dans un autre espace. Et nous avons, après, je me suis un petit peu calmée, j'ai vu qu'elle était extrêmement accueillante, elle était remplie d'amour, et je lui ai posé une question, simplement, sur une, pas une mission, mais sur certaines choses que je voulais faire dans ma vie, et qui concernaient, la sauvegarde de l'humanité, ça paraît très prétentieux, mais l'information des gens pour qu'ils vivent différemment. Et elle m'a dit, vous serez très étonnée, parce que tout ce que vous désirez va arriver, mais pas du tout de la façon dont vous le pensez, pas du tout quand vous le pensez. Ce sera beaucoup plus tard, et ça se passera très différemment. Et vous aurez beaucoup, beaucoup d'embûches sur votre chemin. Oh, mais ce ne sont pas les embûches qui vous feront peur, bien au contraire. Cette femme ne m'avait jamais vue, et elle ne pouvait pas deviner qu'effectivement, moi, c'est un défi. Quand on me dit « tu ne pourras pas », j'ai envie de prouver que je pourrai quand même. Et donc, notre conversation a duré un bon moment. Et lorsque je suis partie, alors elle m'a dit aussi une chose, elle m'a dit nous allons prier la Vierge Marie. Moi je n'avais pas prié depuis ma communion, donc vous voyez, j'avais prié mais pas avec notre Père ou Je vous salue Marie. Et comme maintenant le rite de l'Église a changé, on a commencé, puis je me suis embrouillée en disant notre Père, je ne tutoyais pas Dieu quand j'étais petite fille, je disais notre Père qui est aux cieux alors que là c'était pas ça, enfin etc. Et elle a ri, elle m'a dit il y a longtemps vous n'avez pas prié. Je dis oh très longtemps, elle m'a dit oh mais vous priez autrement et ça n'est pas mieux, ça n'est pas plus mal du reste. J'étais étonnée. Et puis donc, nous sommes... Et au moment de partir, je lui ai dit, je vous remercie infiniment de m'avoir reçue. Elle m'a dit, pas du tout, c'est moi qui vous remercie d'être venue. Et vraiment, je suis partie dans un état d'euphorie totale. Alors, si je peux continuer, il y a eu, à ce moment-là, je suis partie, cette amie est passée aussi, elle l'a vue. Et nous sommes partis tous les deux après, il y avait une espèce de minibus, un gros car, qui voulait nous prendre et nous descendre à la fondation, qui était à 5 km de là. On était tellement excités qu'on était incapables, on a dit on va marcher dans la nature, tellement on sautait, je me souviens. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu les auras de tout le monde, ce qui était très curieux, et ça a duré à peu près 6 mois. Elle avait dû élever mes vibrations, puis après je suis retombée dans la matière comme tout le monde, et puis je vois rarement les auras des gens, mais à l'époque je les voyais pour tout le monde, ce qui m'a beaucoup surprise. Et le soir même, nous sommes partis, j'étais très excitée, j'étais donc avec ce garçon et un autre ami qui avait perdu la vue, et nous sommes partis tous les trois nous promener. Et les trois autres amis sont restés, parce que comme il pleuvait, elles n'avaient pas envie de sortir. Nous sommes sortis dans la nature. On a commencé à marcher, il pleuvotait un peu.
Et tout d'un coup, la pluie s'est mise à tomber très fort. Nous sommes retournés pour rentrer. Et il y avait au milieu ce garçon qui était aveugle et puis mon autre ami qui était de l'autre côté. Et chacun, on le tenait par le bras pour qu'il ne trébuche pas. On était vraiment dans la campagne, on ne voyait rien. Et tout d'un coup, on a vu comme une espèce d'objet bizarre devant nous qui ressemblait à une espèce de gyrophare de voiture. Et je ne pourrais jamais dire s'il était à 50 mètres et s'il était de la taille d'une maison, ou s'il était de l'autre côté de la vallée, parce qu'on était devant une vallée qui descendait, et puis il y avait la côte de l'autre côté, ou s'il était de l'autre côté, et s'il était gigantesque. On n'a pas su. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ovni? On en parlait à l'époque, enfin, etc. Et on est revenu très vite. J'ai dit à l'autre garçon, Philippe, courez vite là-bas, à la fondation, on n'était pas très loin encore, pour essayer de trouver des témoins, parce que c'était, et moi, nous, on ne quittait pas. Et cet ami qui était aveugle me disait, écoute, moi, je sens ton cœur qui bat, je sens que tu es dans une émotion terrible, je ne vois rien, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et au moment ce garçon, Philippe, est sorti en disant, il est sorti avec trois jeunes novices, et à ce moment-là, l'objet s'est éteint. Alors on a attendu 2-3 minutes, puis on est parti. On a voulu rentrer, j'ai dit bon, mais il ne reviendra pas. Et au moment où nous entrions dans la maison, l'objet s'est rallumé à peu près 45 degrés. Et tout le monde a regardé, moi je n'ai rien dit, Philippe n'a rien dit, et une des jeunes novices a dit « Ah, c'est un ovni !» Je lui ai dit, bon, mais c'est pas moi qui vous ai dit le mot, effectivement. Et toute la soirée, on est rentré, évidemment. Et puis ça s'est éteint après. Et j'ai appris par une des novices qui était restée à la fenêtre en haut. On ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait une verrière qui nous empêchait qui nous abritait de la pluie et qui nous empêchait de voir au-dessus. Mmh. Et au moment où ça s'est éteint, ça a fait comme un feu d'artifice au-dessus, au point de vue lumière. Et donc, on a parlé de ça toute la soirée. Et j'avais dit une chose quand même. Si jamais je suis reçu par Marthe Robin, je fais le vœu de faire la vaisselle de toute la communauté. Et effectivement, il n'avait pas de machine à laver. Et j'ai fait, avec mon ami Philippe, il a dit, ben, je ferai comme Sylvie. Et nous avons fait la vaisselle de la communauté qui n'avait pas de machine à laver. Je vous assure qu'il y avait 200 personnes quand même. Et je me suis trouvée aidée par une jeune novice. Et je lui ai dit, vous savez, c'est extraordinaire ce qu'on a vu hier. Et elle m'a dit, on n'a rien vu hier, il n'y avait rien. Je lui ai dit, attendez, on a parlé jusqu'à 3h du matin de ces choses-là. Non, 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 c'était une vue de notre esprit. Je me suis dit, bon, mais les prêtres sont passés par là. Et le fameux Philippe m'a dit la même chose, il m'a dit, c'est bizarre, j'étais à côté d'une des filles qui m'a dit la même chose. Et les trois ont refusé de reparler de tout ça. Mais le lendemain, trois de nos amis ont été reçus, y compris ce garçon qui était aveugle, excepté celle qui avait dit, je donne ma place à une autre personne. C'est quand même assez étonnant, on a été reçus 5 sur 6, excepté celle qui ne voulait pas être reçue. Et une de mes amies qui a été reçue le lendemain lui a dit, Marthe, est-ce que vous croyez aux ovnis? Et elle, moi, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, voilà, elle a dû te dire qu'il n'y en avait pas, puisque les curés avaient dû lui faire la leçon, elle m'a dit, pas du tout. Elle m'a dit, oui, je sais qu'il y en avait un sur la fondation hier, et deux de vos amis l'ont vu. Donc elle était parfaitement au courant. Voilà. Alors, ça, c'est mon expérience, et je dois dire que c'est une chose que je n'oublierai jamais, parce que ça a été, c'est plus qu'une rencontre, j'ai senti que j'entrais dans une autre dimension, et que je n'étais plus dans la matière. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été fabuleux. Et depuis, j'ai appris par des amis qui sont des spécialistes de la question, qui sont des médecins, que beaucoup de rencontres avec des saints sont mêlées à des phénomènes d'OVNI. Très souvent, on a vu, moi j'ai des amis qui ont vu Padre Pio et qui après ont vu des objets volants, l'ont identifié, enfin, etc., etc. Voilà, ça c'est mon expérience, mais je reconnais que ça m'a beaucoup, ça m'a pas changé ma façon de voir, mais ça m'a conforté dans mes convictions. Voilà. Alors Reynald, vous avez une expérience que vous m'avez déjà racontée l'année dernière, mais... Une expérience merveilleuse qui a marqué ma vie. J'ai rencontré Marthe Robin. Alors j'ai rencontré dans les années 70, à un moment donné où dans ma vie tout allait un peu de travers. D'abord, j'avais perdu la foi, je ne savais pas ce que c'était la foi, je ne savais pas qui était Dieu, ce qu'on appelle religion encore moins. Et en plus, j'étais malade. Donc, j'étais en train de me paralyser par le dos. La médecine traditionnelle ne pouvait rien pour moi. La seule chose qu'un professeur avait trouvé, c'est de me mettre une tige à partir des cervicales jusqu'au sacrum. Et j'aurais été droit dans un fauteuil comme ça, donc la révolution totale. Je décide de partir en vacances dans l'Ardèche, à Saint-Péray. Après, j'apprendrai que Marthe avait fait une cure à Saint-Péray, mais bien après. Et puis, il ne faisait pas très beau. Et j'avais entendu parler de Marthe Robin, mais je ne savais pas qui vraiment c'était, une guérisseuse. Pour moi, c'était ça. Et on me dit, il ne faisait pas très beau. Je dis, on va aller voir cette fameuse femme. Et franchement, pour moi, c'était guérisseuse, mais je guéris les verrues, enfin, je coupe le feu. Et me voilà parti.
sans savoir comment ça se passait, qu'il fallait un rendez-vous, je ne savais pas. J'arrive dans la ferme, cette magnifique ferme, midi et demi, je rentre. J'étais un peu insolent parce que je souffrais tellement de toute manière, et puis peut-être aussi par provocation. Et je rentre et je dis, est-ce que je peux voir la dame? Et une femme me regarde avec un grand sourire, elle me dit, vous avez rendez-vous? Je lui dis non, je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous. Elle me dit, alors attendez un instant. Et un instant, je sais qu'aujourd'hui un instant, ça peut être une éternité. Il s'est passé pendant cet instant plein de choses dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais lui raconter? La porte s'ouvre, elle me dit, elle vous attend. Et je rentre dans une pièce. Alors moi, il n'y avait pas de lumière quand je suis rentré, c'était sombre. Mais au moment où je rentre dans la pièce, je passais dans une autre dimension, sans savoir ce que ça voulait dire à l'époque. J'étais hors du temps, hors de l'espace, dans cette pièce qui est petite, que je voyais grande. Enfin, je ne sais plus où j'étais. Et une petite voix, alors une voix, parce que je savais qu'elle n'était pas toute jeune. Et là, j'entends une voix d'adolescente chantant, une voix de cristal, enfin une voix qui n'était pas non plus de ce monde dans les conditions. Et elle me dit, vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir me raconter. Ben, elle me dit, c'est moi qui vais vous en raconter. Et avec un grand éclat de rire. Et elle me dit, on va commencer par prier. Alors, bon, je vous salue Marie, pas de problème. Elle me dit, on va prier. Souvenez-vous, Vierge Marie. Et celle-ci, alors, c'est la seule que je ne connaissais pas. Donc, elle a démarré. Et moi, ben... Après, on a fait un Notre Père. Déjà, ça mentait à l'intérieur de moi, parce que je n'étais pas là pour ça, moi. Et puis, on fait un « Je vous salue Marie ». Alors là, j'enchaîne avec elle. Et elle me dit, allez, on va parler un petit peu de votre foi. Ah ben, je lui dis, ma foi. Je dis, j'ai plus de foi, je ne sais plus ce que c'est. Je lui dis, je peux dire les curés, parce que c'est comme ça que je les appelais. Je lui dis, ça ne va plus du tout. Donc, elle m'a expliqué Dieu, la religion, la foi. Et je lui dis, et mes auditions, mes voix. Elle me dit, c'est tout à fait normal. Et je lui dis, oui, mais ce n'est pas normal pour les prêtres, c'est pas... Elle me dit, on va parler de tout ça. Elle me dit, on va reprier. Et on est parti pour une dizaine de « Je vous salue Marie ». Alors là, Reynald comprenait pas trop. Alors je suivais, mais j'étais pas là pour ça. Et elle me dit, maintenant, on va parler de la chose essentielle, la foi. Et à travers les mots qu'elle me disait, il y avait une porte qui s'ouvrait en moi, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de mots pour expliquer. Il y a quelque chose qui se passait en moi, qui rentrait dans mon corps. Aujourd'hui, à notre époque, je peux dire dans mes cellules, mais il rentrait quelque chose. Voilà. Et puis, mon mal de dos, il partait pendant ça. Alors, comme je n'avais pas les termes techniques, j'avais l'impression, après c'est comme ça que je le racontais, j'avais l'impression que ma moelle épinière, elle bouillonnait. Il se passait quelque chose. Et après, on m'a dit, oui, c'est de l'amour qui descend, enfin... Peu importe, ce qui compte, il y avait quelque chose qui se passait. Alors elle me dit, la chose la plus importante pour vous, qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui? Je lui dis, je voudrais la guérison. Elle me dit, je ne peux pas vous la donner, mais elle me dit, on va demander au Père. Et moi, là, la phrase, parce que j'avais bien les pieds sur terre quand même, je lui dis, mais mon Père, il est à Dieppe. Et pareil, un grand éclat de rire, un grand sourire, elle me dit, mais au Père qui est aux cieux. Alors, on réenchaîne à notre Père. Et là, c'est là qu'elle a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais, mais vraiment jamais. Toujours avec le timbre de la voix qu'on ne peut pas expliquer. Elle me dit, Père, c'est ton enfant, il te demande ta guérison, accorde-lui selon ta volonté et non la sienne, sinon aide-lui à porter sa croix. Alors j'étais... on ne sait plus où on est, quoi, hein. Je ne savais pas si j'avais les pieds sur le sol, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais plus mal dans le dos, je ne savais plus où j'étais. Et puis, il y avait toujours un peu ce mental que ma volonté, moi, c'était de guérir, hein, pas selon la volonté, quoi. Et là, après maintenant, avec le recul, je sais qu'à cet instant donné, la guérison a été donnée. Pardon, et vous l'avez senti, c'était... À l'intérieur de moi, ça ne s'explique pas, je l'ai senti. Et elle me dit, en contrepartie, vous aiderez beaucoup de gens par la suite. Et elle me dit, ce ne sera pas facile, ce sera dur, mais vous aiderez. Alors moi, je ne suis pas du genre vraiment, à l'époque, je n'étais pas du genre vraiment à aider, je n'étais pas du genre à aimer mon prochain comme moi-même, je m'aimais moi et puis le prochain après. Enfin, il y a eu tout un chamboulement qui se fait à l'intérieur de l'être, de l'esprit, et on a reprié comme ça. Et au bout de toutes ces minutes, on entend frapper à la porte. Et personne ne dit rien.
Donc Marthe continue à parler. Et donc moi, je me dis, mais elle est sourde. Elle me dit, non, c'est moi qui décide quand on rentre. Elle dit, vous allez rester un peu plus longtemps que la moyenne. Elle dit, parce que vous êtes Dieu à convertir. Et après, elle a parlé de mes parents, avec qui c'était très difficile. Elle me dit, vous savez, pour avoir le bonheur sur terre, il faut aimer ses parents et les honorer. Donc, tout plein de choses qui faisaient tilt, qui faisaient mal, mais bien en même temps. Et tout ça toujours très très vite, hein, très très vite. C'était une rencontre avec l'amour, l'amour. Et puis, on a frappé à la porte. Donc, je lui dis, je m'en vais. Elle me dit, oui. Elle me dit, à très vite. C'est pour ça, maintenant, quand je signe mes livres, je termine toujours par à très vite au Koyog. À très vite. Elle me dit, à l'année prochaine. Et donc, j'ai eu deux rencontres avec elle. Vous êtes retourné l'année suivante. Ouais. Mais c'est la première fois, la toute première où... Voilà. Et en face, moi, j'avais une femme... Alors, j'ai entendu beaucoup de choses après sur elle qui m'ont un peu étonné. J'étais dans une chambre pleine d'amour, qui n'était pas de ce monde, ça je me répète, mais pleine d'amour. Il y avait de la lumière que moi, je ne voyais pas. Il y avait une odeur merveilleuse. Alors, une odeur, je ne vais pas dire céleste, mais on pourrait le dire. L'odeur de sainteté. Oui, une odeur de sainteté, ouais. C'était pas mal ça aussi. Mais il y avait une odeur de sainteté, ouais. une paix, ouais. Alors j'emploie toujours le mot pression atmosphérique, parce que on connaît la pression atmosphérique quand c'est humide, quand c'est dans une pièce. Là, il y avait l'amour de Dieu qui était là. Et ça, ça change un homme. Je suis ressorti de cette petite pièce. Alors, je suis en plein mois d'août et il faisait environ 39 dehors. Hein. Je traversais la cuisine, j'étais gelé. Je suis arrivé dehors, je ne savais pas où j'étais. Un peu dans un brouillard, la personne qui m'avait accompagné m'a regardé. Elle me dit, ça va? J'ai dit, je ne savais pas si ça allait. Et je me rappelle, alors on me l'a rappelé parce que je ne m'en rendais pas compte, il y avait un échafaudage dans la cour, je me suis jeté sur une barre d'échafaudage et je me suis étendu tout mon long comme ça. Et la première chose que j'ai dit qui est très terrienne, je fais, est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir mal au dos? Et la journée s'est passée bizarrement, quoi. Enfin, jusqu'à temps que je redescende sur Terre, jusqu'à temps que je remette les pieds dans la réalité à Paris avec mon professeur qui m'a dit, alors monsieur Roussel, c'est pour quand J'ai dit, mais je suis debout, j'ai plus mal nulle part. Et il m'a dit, mais ça ne durera pas. C'est pas très grave, c'est pas très grave, ça dure pour l'instant. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ouais, c'est curieux cette réaction d'un professionnel de la médecine. Ouais. Au lieu de me donner plein d'espoir, c'est ça, dit, non, voilà. C'est toujours ça de prix, quoi. Exactement. Non, ça ne durera pas, c'est pas grave. Voilà. Et puis c'est vrai qu'à partir de toute cette année, il s'est passé un bouleversement dans ma vie. J'ai retrouvé la foi. Ce qu'on appelle la foi. Donc la foi, ça peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, je suis un homme de foi, pas religieux, hein, c'est deux choses. Et la foi, je n'ai... Oui, voilà. Plus rien ne me fait peur. Et j'ai rencontré Dieu, ou cet amour, ou cette énergie. Ouais. Chacun prend le mot qu'il veut, parce que c'est un peu fragile. Et je suis en permanence accompagné. Et je prie. Donc je prie, je parle. Je m'adresse à Marc, moi, hein, comme ça. Parce qu'elle avait dit, je vous emporte dans mes prières. Donc, je emporte-moi dans tes prières. Voilà. Et j'ai une foi. Voilà. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais. Que j'aiderais beaucoup de personnes. Enfin, que j'aiderais. On me met des personnes sur ma route et je fais ce que je peux. Vous pouvez dire comment vous les aidez? J'essaie de leur redonner, de les remettre sur les rails de la vie par rapport à leur foi. Que Dieu est rien dans toutes les épreuves que l'on a. Mais il peut y avoir une aide spirituelle qui est donnée, mais il ne faut pas avoir peur de demander pour recevoir, et puis il faut savoir recevoir, et puis que quand on ne reçoit pas, c'est peut-être aussi pour nous protéger, parce qu'on veut beaucoup, beaucoup de choses. Donc je rencontre beaucoup de gens à travers des rencontres, je n'aime pas trop dire le terme conférence, parce que c'est des rencontres, et j'explique, et puis je parle de la vie après la mort. Et je donne. J'ai la facilité d'avoir ce contact avec certaines personnes disparues qui viennent redonner un peu espoir aux gens. Et si les gens se laissent porter, voilà, et ça ne soigne pas, ça ne guérit pas, ça donne une autre dimension à la vie. D'accord. Et quand je disais à Marthe que j'entendais mes petites voix, elle me disait non, non, vous n'êtes pas fou. Non, non, vous n'êtes pas fou. Il faut vous en servir.
tout ce que vous venez de nous raconter montre qu'il y a un itinéraire, un chemin vers le divin, un chemin d'expérience, un chemin pratiqué par très, très, très peu de gens, évidemment. La plupart des gens sont dans la croyance, les mystiques sont dans l'expérience. Alors, j'en venais à un point qui est tout à fait étonnant chez Marthe Robin, c'est qu'elle vivait ce qu'on appelle l'inédit. Alors, vous pouvez nous... Bien, moi, je sais, je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle le mangeait normalement. Elle ne faisait que avaler une hostie tous les matins. On lui imbibait les lèvres avec un coton humide, et c'est tout. Alors, j'en ai parlé avec un médecin qui se trouvait connaître très bien le père d'Assaï, qui était son médecin. Ah, très bien. Et ce médecin m'a dit elle n'avait plus d'estomac. Les parois, c'est-à-dire qu'à force de ne jamais remplir l'estomac, les parois de l'estomac s'étaient collées. Ah, oui. Et c'était complètement desséché. Il n'y avait plus, si vous voulez, c'est là qui était le miracle, parce qu'elle n'avait aucune fonction vitale qui marchait, et pourtant elle était en vie. Sans s'alimenter, sans boire. On sait très bien qu'on peut tenir sans s'alimenter pendant quelques jours. Quelques semaines. Même on peut aller plusieurs semaines, mais pas plus. Quant à boire, c'est très très court comme temps. Oui, elle ne buvait jours. Pas, on lui imbibait les lèvres, et elle prenait son hostie. On sait très bien qu'une hostie, ce n'est pas très nourrissant. C'est tout. Bon, elle n'avait pas d'activité physique, elle ne dépensait pas ce qu'on appelle de calories, mais comme elle avait certainement une activité cérébrale importante qui était quand même là matérielle. Il est très difficile d'expliquer ça, mais effectivement, j'ai entendu dire qu'il y a eu d'autres personnes comme ça. J'ai lu de nombreux ouvrages où on cite d'autres saints. Il y avait Louise Lato. Qui vivait sans manger. Qui était complètement branchée sur le spirituel. Au 19e siècle. Voilà. Il y a une indienne aussi qui mangeait, qui s'est amusée à faire ça. Mais elle a dit, je fais ça comme une expérience pour prouver que nous sommes plutôt des êtres immatériels, des êtres spirituels, que des êtres matériels. Tout à fait. Et dans le cas de Louise Lato, il y a d'ailleurs une anecdote qui montre un parallèle. La famille de Louise Lato, croyant bien faire, l'avait un jour forcé ou convaincu de boire un peu de lait. Donc elle boit et un quart d'heure ou une demi-heure après, elle vomit le lait. Mais ce lait était intact, il n'était pas corrompu par les sucs digestifs. Ce qui prouve qu'il n'y avait plus, comme dans le cas de Marthe Robin, il n'y avait plus d'activité dans l'estomac. Voilà. Alors, je ne sais pas si son estomac s'était réduit aussi. Ouais, elle avait quand même passé des visites médicales, parce que comme c'est un sujet d'expérience, si on peut dire, elle a été quand même expertisée par des quantités de gens, et il n'y avait aucune tricherie, parce que moi, on m'avait dit, oh, tu vas voir, on la nourrit en cachette la nuit. Quand on la voyait, on savait qu'elle ne trichait pas. Ça, c'est certain. Et de toute façon... pour moi, elle respirait la santé, effectivement. J'ai entendu cette voix jeune et gaie. Et on voyait ses stigmates, mais ça ne saignait pas du tout. Et elle avait l'air très sain, alors que moi, pour moi, l'idée de stigmatiser, c'était toujours quelque chose de sanguinolent, un peu malsain, un peu gênant. Là, ça n'était pas du tout. Où étaient placés ces stigmates? Moi, j'ai vu celle du front parce qu'elle avait les mains sous les draps. Et après, elle tenait un chapelet. Moi, j'avais donné un chapelet que j'avais. Elle l'a touché, je l'ai toujours évidemment, elle l'a touché et elle bougeait quand même un petit peu ses mains, mais elle était paralysée pour le reste du corps, évidemment. Ouais. Et elle avait un regard, parce que je vous dis, je la voyais comme je vous vois maintenant, comme si c'était en plein jour. Et alors, je veux signaler quand même, tous mes amis ne l'ont pas vue comme ça. Ils m'ont tous dit, elle était en le noir. C'est au cas par cas, je crois. Et moi, elle était illuminée. Alors, est-ce que c'est parce que moi, c'est vrai que j'ai parfois aussi des rapports un peu privilégiés? Je ne sais pas. Eux, pourtant, qui étaient des gens tout à fait respectables, ne l'ont pas vue. Mais elle respirait la santé, si je peux dire, ce qui paraît anormal pour quelqu'un qui était dans son lit. Elle respirait la santé. Et elle ne respirait pas. J'ai vu des quantités de gens âgés dans ma vie qui étaient un petit peu comme ça, pas en forme, et ce n'était pas du tout ça, qui avait l'air malade. Et elle n'avait pas l'air malade, elle avait l'air très saine. C'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est sa foi qui rayonnait cette espèce de... C'était vraiment un rayonnement, hein, puisque vous l'avez vu. Il faut l'avoir rencontré pour comprendre ce qu'on dit. Voilà, parce qu'on l'explique un peu comme ça. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. Il n'y a pas de mots. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. C'est du domaine de l'expérience. Par rapport à l'inédit et à l'hostie, elle ne prenait que l'hostie consacrée. Oui. Parce qu'elle était pleine d'humour. Il y a des prêtres qui lui amenaient des hosties non consacrées. Donc elle communiait vers 18h, on lui apportait l'hostie consacrée, il y a des prêtres pour tester
quand elle attendait la voiture arriver, elle disait « Jésus n'est pas là ». Et on ouvrait la custode, je crois, ça comme ça, et l'hostie n'était pas consacrée. Donc, il repartait. Donc, elle était pleine d'humour. C'était... Oui, elle était très drôle. Moi, on la rit tout le temps. Oui. Pendant tout le temps où elle m'a parlé, nous avons beaucoup ri. Oui. Puis moi, j'avais des questions humaines aussi à poser. Ouais. Que normalement, devant un être comme ça, hop, ça pénètre. Il y a pas... Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être saint? Elle me dit, il faut aimer, beaucoup aimer. Enfin, il y avait toutes les réponses qui étaient... Mais c'était une rencontre, mais drôle. C'était pas triste, c'était pas solennel. C'est la rencontre avec l'amour, mais joyeux, quoi. C'est pas triste, la spiritualité. Souvent, les gens ont tendance à parler de ça, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Oui, et puis, moi, ce qui m'avait frappé, c'était ce côté simple qu'elle avait par rapport au côté pontifiant de l'Église, du pape, de toutes ces choses-là. Et quand moi, je suis arrivée, elle m'a dit « appelez-moi Marthe ». Et je lui dis, quand je lui ai dit « merci de m'avoir reçu », elle m'a dit « merci d'être venue ». Et bon, tout ça, c'était plein d'humour, plein de joie, plein de gaieté. Moi, je vous dis, j'étais dans un état de... un peu comme si j'avais bu. Je n'ai jamais bu de l'alcool de ma vie, mais je pense que si je buvais, je serais dans cet état-là. Vous voyez, j'avais l'impression de ma tête tournait un peu. J'étais dans un autre monde. C'est pour ça que j'ai pas pu monter dans une voiture pour rentrer. Il fallait que je m'aère, que je respire. J'étais en osmose totale avec le cosmos. C'est quand même curieux. Ouais. Et alors, vous voyez donc les auras pendant un certain temps. Oh, ça a duré 3 mois très très fort, et puis à peu ça s'est raréfié, mais là je les voyais de tout le monde. Et alors c'est très curieux, parce que là, quand j'ai vu qu'elle m'avait reçu le mercredi, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, et là je suis allée à la messe, et là j'ai fait la procession du Vendredi Saint. Et tout d'un coup, je marchais derrière il y avait un jeune prêtre qui était en train de prononcer ses vœux, et il avait une aura blanche extraordinaire, il avait une aura laiteuse et lumineuse, et j'avais une jeune novice à côté de moi, et je lui ai dit, écoutez, ce prêtre m'a l'air d'avoir une aura fabuleuse. Elle m'a dit, oh madame, il respire l'amour et la bonté, c'est un enfant, c'est un homme extraordinaire. Et puis d'un coup, je me retourne, je lui ai dit, celui qui est devant lui, il a une aura qui est marronnasse, et je vous assure qu'elle n'est pas jolie jolie. Et elle me dit, oh ben c'est drôle que vous disiez ça, parce que c'est un prêtre méchant, il est méchant, il est envieux, il a tous les défauts que ne devraient pas avoir les catholiques. Vous voyez, et effectivement, je ne savais pas tout ça, et j'étais étonnée de voir ces choses-là, ça m'avait beaucoup surprise. Mais donc il doit y avoir, à mon avis, un changement de vibration, mais je dois dire que j'ai vu aussi les auras sans avoir vu Marthe Robin, et dans les montagnes rocheuses, et sur les Himalayas. Alors, est-ce qu'il y a une raréfication de l'air? Est-ce qu'on passe dans une dimension différente? Est-ce que, je ne sais pas, mais quand je suis dans des endroits comme ça, qui sont très hauts, et très purs, ils ne sont pas abîmés par l'être humain, eh bien, j'avais un peu la même impression. Ça ne me durait pas 6 mois, alors, après. Hein. Et pendant le temps où j'étais là, je vois les auras des gens. Quand je redescends sur la Terre, je redescends sur la Terre, dans la matière. Et Marthe Robin, elle, ça a duré près de 6 mois. Peu à peu, mes pensées un peu matérialistes ont repris le dessus, et puis je suis tombé dans la lourdeur de la Terre. Voilà. Ouais. Exactement. Mais c'est des moments de grâce merveilleux, parce que je demandais à Marthe la communion. Parce que moi, j'étais enfant de cœur, tout ça, donc je sonnais, je disais, mais c'est vrai que le petit Jésus, il est dans ce morceau de pain. Je dis, ça, je peux pas. Mais elle me dit, si. Elle me dit, allez à la messe et vous verrez. J'en avais fait des messes en tant qu'enfant de cœur, hein, avec le prêtre qui levait. Et je suis allé à la messe à Châteauneuf, au foyer, qu'elle a fait réaliser. Et c'est la première fois que j'en parle, j'en ai jamais parlé, mais je vous le livre. Quand il a fait l'élévation sur la grosse hostie, il y avait le visage du Christ dedans. Que vous avez vu. Oui. Ouais. Et elle m'a dit, tous les prêtres devraient le voir. Oui. Alors, le Padre Bouillon sait qu'il le voyait. Ouais. Plein d'autres le voyaient. Hein. Ouais. Et bon, ça dure une fraction de seconde. Ouais. Maintenant, je peux me permettre de dire des choses un peu plus. Parce que s'il est gentil, c'est pas grave. Avant, je ne pouvais pas. Donc, et ça nourrit le corps spirituel. Ouais. L'absorption. Ah, donc, c'est tout un enseignement qu'elle nous donne. Mmh. Après, il faut le retransmettre. Puis, rencontrer quelqu'un comme ça n'empêche pas. Je ne suis pas un miraculé de la vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, je gère avec cette foi immense qu'elle redonne, et on peut traverser. Et puis ça remet bien les choses par rapport aux petites épreuves égoïstes de la vie de tous les jours. Quoi. Ce qui n'empêche pas que je suis aussi égoïste, moi, dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a des choses où il faut quand même se battre. Quoi, hein. Et des fois, je me dis, oh là, ça ne doit pas être comme ça que Marthe voudrait. Donc je demande un petit coup de main.
La grande caractéristique de la voie mystique par rapport à la voie de la croyance, c'est justement que celui qui est le mystique ne porte pas un message, il communique une énergie qui va, chez certains, permettre, comme dans votre cas, de voir les auras, peut-être chez vous de voir le visage du Christ sur la l'hostie. J'ai vu qu'une fois, c'est tout. Oui. Voilà. C'est toujours ça. C'est, voilà. Ça prouve que c'est possible. Voilà, ça, c'est possible. Mais je le vois pas. Oui. C'était une réponse à ma question. Elle m'a dit, vous verrez. D'accord. C'était... Oui, ceci montre que dès lors qu'on s'éloigne de la source, voilà. On tend à retomber dans la matière. Dans ses serments. Et ce qui avait aussi important pour elle, c'est qu'elle n'était pas dans le jugement par rapport à beaucoup de gens d'église disent, vous faites des péchés. Ouais. Et elle prenait tout ça en riant. Ouais. C'était pas grave. Rien n'était grave pour elle. Et quand je lui ai dit, bah oui, je prie pas avec vos mots catholiques, elle m'a dit, qu'importe, le tout c'est de prier avec son cœur et peu importe les mots qu'on emploie. Alors qu'un prêtre m'aurait dit, c'est pas sérieux, notre Père, il est bien calculé comme ça, il faut le dire comme ça et pas autrement. Pas du tout, elle a ri au contraire, elle m'a dit, il y a longtemps vous n'avez pas prié avec les mots de l'Église. Je dis oui, depuis que je suis petite fille, elle m'a dit, ça fait rien, vous avez prié avec d'autres mots, ça revient au même. Voilà. Voyez, elle était la tolérance totale, ce qui est très important. Et elle n'était pas qu'enfermée dans sa chambre, elle savait ce qui se passait dans le monde entier, elle était au courant de l'actualité. Politique de la France, enfin, elle savait tout, quoi. C'était... Alors, je ne sais pas si moi, j'avais posé la question, parce que je me suis dit, quand on m'avait dit, il y avait des dames, là. Il y a eu, dans les gens reçus, il y a eu mes 5 amis, et il y a eu 4 autres personnes, dont en particulier un couple de hippies, j'appellerais ça. Lui avait une grande queue de cheval derrière, ils étaient avec une petite fille, très gentille, et toutes ces dames, grenouille de bénitier, comme on dirait avec mépris, était là, pincée, et on était dans des tables de 8. Les tables du réfectoire étaient de 8. Nous, on était 6, donc il restait 2 places. Et on avait vu ce couple qui se promenait en essayant de demander aux gens, est-ce qu'on peut se mettre à côté de vous? Non, non, la place est réservée. Et nous, quand on a vu que tout le monde les renvoyait, on leur a dit, bah, venez vous asseoir à côté de nous, ils étaient absolument charmants. Il y avait eux deux qui ont été reçus aussi, ça m'a fait beaucoup rire, plus une petite sœur noire qui était là et qui était absolument adorable. Et toutes ces dames très bien pensantes n'ont jamais été reçues. Alors, c'était amusant. Alors justement, j'ai demandé comment on faisait le choix. Je me suis dit, comment fait-on? Alors, il paraît qu'on lisait à Marthe la liste des gens qui étaient là et elle disait, je veux le recevoir, je veux pas, je veux pas. Simplement, on disait simplement le nom. Et au nom, elle disait d'accord. Voilà. Il était universel. Voilà, et vraiment, je vous dis tous mes amis. Alors, il y a quand même une chose importante que j'ai remarquée. Moi, je ne lui ai rien demandé pour moi. Je ne lui ai pas demandé un vœu, parce que tout le monde a dit, le Père Fini avait dit, vous demandez quelque chose et ça vous sera accordé. Marthe vous demande à sa grâce et ça vous sera accordé. J'ai eu 4 amies qui m'ont dit ce qu'elles avaient demandé et elles l'ont obtenu. Dans les Qu'est-ce que ça avait demandé? Bien, par exemple, j'avais une amie dont... qui avait sa fille avait abandonné ses propres enfants et elle les avait recueillis et pendant une dizaine d'années elle a élevé ses enfants et puis un jour la mère est revenue a récupéré les enfants à la sortie de l'école et n'a plus jamais donné de nouvelles à sa mère qui n'a jamais revu ses petites filles et elle n'avait qu'un désir c'est retrouver ses enfants qui étaient plus que ses petites filles c'était ses propres enfants et Marthe lui a dit vous verrez vous les récupérez très vite vous allez avoir un signe de et puis après, vous les reperdrez, vous les retrouverez beaucoup plus tard. Nous sommes rentrés à Paris pour le week-end, et le dimanche, elle a eu un coup de téléphone de ces petites filles qu'elle n'avait pas vues depuis 6 ans, qui lui ont dit, ben voilà, nous voulons te revoir. Maman nous a empêchés de te voir, mais maintenant nous sommes grandes et nous voulons te revoir. Et puis elle les a reperdues de vue, et puis maintenant, ça y est, elles sont complètement avec elle. Donc là, c'est un exemple de chose qui a été acceptée. J'ai eu d'autres amis qui m'ont dit la même chose. Ils ne m'ont pas dit ce que c'était. Ils m'ont dit, j'ai demandé quelque chose et ça m'a été accordé. Mais celle-là m'a raconté exactement. Et tout s'est arrivé. Alors, il n'y avait aucune chance qu'elle retrouve ses enfants 2 jours après avoir vu Marthe. Ouais. 2 jours après, ces petites filles dont elle n'avait pas de nouvelles depuis 6 ans sont arrivées. Parce que c'est quand même là, elle faisait aussi des miracles. Ouais. Et elle en fait toujours actuellement, parce qu'on parle de Marthe au passé, mais elle est passée d'un plan à un autre plan, mais elle est toujours présente si on la prie avec ferveur. Les grâces, elles tombent, elles sont... Oui. Vous en avez fait l'expérience? J'en ai fait l'expérience et j'ai eu beaucoup de témoignages, parce que moi je ne demande plus rien. Maintenant je ne demande que la paix du corps, de l'âme et de l'esprit.
comme ça, dans cette phrase, tout est englobé. Oui. Ouais. Faut pas qu'on m'embête. On me protège, voilà, mais je demande pas des choses particulières. D'accord. Mais j'ai eu plein de témoignages de gens qui me disaient, tu crois que ça marche? Je sais pas si ça marche, j'ai la certitude, moi, que ça marche. Mais ça se mérite également, hein, c'est pas, on demande pas. Mais il y a eu des choses, pour les choses importantes, elle est très présente. Et à Châteauneuf, où elle a vécu, ouais, et dans d'autres endroits, parce que... Oui, parce que... Quand est-ce qu'il faut aller à Châteauneuf? Après, c'est le cœur qui part, quand on n'y va pas, quoi. Mais il y a des grâces, puis des grâces spirituelles et des grâces matérielles, parce qu'elle était quand même dans la matière quand elle s'occupait. Donc, il n'y a pas de honte à demander une grâce financière ou une aide pour s'aider. Les grâces sont distribuées pareil, parce qu'elles nous emportent dans sa prière. Cette expression « emporter dans sa prière », qu'est-ce que signifie à votre avis? Moi, j'ai une idée, mais quelle est la vôtre? Mais moi, quand elle me dit « je vous emporte dans ma prière rénale », c'est qu'elle me met, elle prie pour moi, quoi. C'est ça, oui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle vous fait profiter, en quelque sorte, de sa capacité à... Je ne prie peut-être pas très bien, mais les textes à l'endroit et... Voilà, même si vous n'êtes pas à côté d'elle. Voilà. Elle est avocate auprès de la source. Ah, de c'est comme ça que vous voyez ça. Oui, elle prie pour moi, quoi. D'accord. Elle intercède. Elle intercède. Ah oui. Moi, je voyais ça d'une manière plus mécanique, en quelque sorte. Nous avons là, je vous dis en des termes qui sont presque techniques, comment je verrais cela. Nous avons là une centrale d'énergie considérable qui est capable de suppléer à vos petits moyens, ou les miens aussi, c'est assurant, ça. Et vous avez là toute la puissance d'une grosse centrale d'énergie pour vous guérir, pour vous communiquer la capacité de voir les auras, etc., etc. Oh, si on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Il y a 36 manières de le voir. Mais oui. Enfin, c'est, vous savez, quand c'est la même chose, quand on dit « je vais prier Saint-Antoine pour retrouver quelque chose » ou « je vais prier un tel », il intercède aussi. C'est la même chose avec Marthe Robin, même si elle n'a pas été sanctifiée. L'Église n'a pas jugé bon. C'est important pour nous qu'elle soit, enfin, pour ceux qui l'ont rencontrée, voudraient qu'elle soit... diplômée de cette sainteté, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas la peine. Oui, qu'elle devienne saint sainte du calendrier. Non plus, ne l'est pas. Ah si, il y a aujourd'hui. Il y a pas longtemps. Ah bon? Il a eu le diplôme. Oui, il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas très peu de temps. Ah, oui. Alors que M. Berlinguer, qui a fondé les machins. Il a été, alors c'est pour ça que l'Église. Mais je pense qu'elle était très au-dessus de tout ça. Oui, je pense absolument. Qu'elle jugeait les prêtres comme des hommes faillibles, avec leurs qualités, leurs défauts. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment dans le. Pas du tout, elle n'était pas dans le pouvoir. Et elle redonnait pas dans la foi des prêtres. Oui. Ah, oui. Il y avait des prêtres. Qui perdaient la foi, il y a quoi? Et elle redonnait la foi. C'est beau. Oui. Absolument. Oui, le spectacle, le simple spectacle, enfin spectacle, c'est pas un spectacle, mais approcher, être dans son aura et la voir devait être suffisamment bouleversant. Les mots. Oui. Les mots. Peut-être au-delà des mots, non? C'était. Enfin, c'est inexplicable. Hein, oui, tout à fait. Je crois que chacun le vit. Je crois que c'est ça. Non, mais c'est curieux quand même, nous ne nous connaissions pas. Non. Et nous avons la même vue de Marthe, alors qu'on a lu beaucoup de livres sur elle, où on en fait une malade pleine de douleurs, se plaignant, gémissant, j'offre mon corps à l'humanité. Vous voyez, ça avait quelque chose d'un peu de très pénible, alors qu'au contraire, elle avait l'air de vivre ce don dans la joie. Ouais. C'est ça qui est important. Elle n'était pas une martyre, vous voyez, au sens qu'on nous donne de martyre. Oui, la tradition doloriste de l'Église catholique. Voilà, ce n'était pas la matière dolorosa sur son lit de douleur du tout, au contraire. Moi, j'ai l'impression, j'avais l'impression d'être avec une jeune femme en pleine forme. Mais c'est vrai qu'on lit des tas de choses, de gens qui ne l'ont jamais rencontrée en fin de compte, je crois. Oui, voilà, exactement. Ils doivent reprendre des écrits, on arrange un peu... Tous mes amis qui l'ont vue ont eu la même impression que moi. Disant, mon Dieu, c'est fou ce qu'elle est simple, qu'elle est jeune, qu'elle est gay, qu'elle est... Tout le monde est jeune. Ça, moi, ce qui m'a marqué, c'est jeune. Voilà. C'est vrai que j'allais voir quelqu'un qui avait quand même 70 ans. Et comme j'étais beaucoup plus jeune, pour moi, c'était loin. Ouais. Non, c'était une adolescente, pas une camarade, mais... La gaieté dans cette chambre. Avec des fleurs, avec des fruits. Il y avait une coupe de fruits, ça humait les fruits. C'était... Toute la difficulté quand on veut traiter de la voie mystique, c'est de trouver, alors des mystiques c'est très difficile, mais il y en a pas beaucoup. Même des témoins, c'est déjà rare, des témoins qui aient rencontré ou des mystiques. C'est dur de témoigner. Hein. C'est dur de témoigner en plus? Oui, moi j'en ai jamais parlé, sauf depuis quelques années. Ouais.
Mais jusque il y a pas longtemps, jusqu'à peut-être 7 ou 8 ans, j'en avais jamais parlé. Et vous non plus, vous en parlez? Non, moi j'écris beaucoup de livres sur l'ésotérisme, je n'ai jamais parlé de Marthe Robin dans mes livres, jamais. Ah, et pourtant. Parce que je trouve que c'est une chose personnelle. Ouais. Oui, c'est vrai. Je raconte pas. Et puis on m'a dit, bon, il faut en parler, donc j'ai dit, ok, je vais en parler un petit peu. Mais c'est tout, je pensais jamais un jour venir expliquer. Mais peut-être que c'est l'heure que les gens sont peut-être capables à entendre. De comprendre davantage. Je crois que le témoignage, voilà, le témoignage a une grande force. Ce que, me semble-t-il, les gens rejettent de plus en plus, c'est la théologie. C'est-à-dire un enseignement de croyance. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut croire ça et ça, parce que c'est écrit dans ce livre sacré, etc. Et à juste titre, beaucoup de gens, surtout parmi les jeunes, rejettent ça comme du prêchi-prêcha sans valeur. Voilà. Mais malheureusement, la plupart des ministres du culte, quel que soit le culte, sont incapables de faire autre chose, dans le fond. Ils sont peut-être tous comme ce prêtre-là avec son aura marronasse. Oui, c'est pas parce qu'on veut faire être un prêtre qu'on est un homme. Tout à fait. Alors, donc, nous allons conclure sur ce sujet, la puissance du mystique dans notre civilisation, son rôle. Là. En conclusion, parce que vous êtes un peu mystique, nous le disions tout à l'heure, vous savez, Reynald, avant l'émission, vous me disiez que j'avais écrit de vous, vous étiez un mystique, c'est ça? Oui, oui. Ah oui, parce que j'ai senti une nuance de mysticisme. Quel est le rôle du mystique? Votre rôle? Bon, allez. Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que j'ai une mission? J'aime pas tous ces... On a tous sur Terre une mission, de toute façon, ne serait-ce que des choses très simples, des choses très difficiles. Les gens qui me rencontrent, je leur parle de ma foi et j'essaie de la transmettre. Voilà, et vous leur parlez avec amour? J'essaie. J'essaie de leur parler avec amour, Même quand ils ne veulent pas toujours comprendre ce que je veux dire ou qu'ils interprètent à leur façon, j'essaie de leur parler avec amour. Je témoigne de ce que je crois savoir un petit peu. Ouais. Voilà, je le dis. Puis après, c'est un peu comme Bernadette. Hein. Elle a témoigné, après, elle était chargée de le dire. Après, chacun croyait. Donc il y a des gens qui veulent bien croire. Parce que je ne vois rien, je témoigne. Donc c'est offert. Il y en a qui prennent, et après ils font leur propre chemin à eux, mais c'est une ouverture. Une ouverture vers la réconciliation avec soi-même. Ouais. Avec son âme, avec les autres. Et ça, c'est magique. Alors, comment pourrions-nous conclure sur cette voie mystique? C'est visiblement, je ne sais pas si vous avez ce sentiment d'être un peu une mystique chargée de... Ah non, je ne suis pas du tout, alors ça je ne me prends pas du tout pour Jeanne d'Arc ou quoi que ce soit, le côté mystique non, mais je pense que de toute façon il y a beaucoup de gens qui ont des signes sur leur chemin, qui sont accompagnés, moi je parle à des êtres supérieurs qui sont à côté de moi, je les sens, je leur parle, et en général ils répondent. C'est plus drôle. Mais on ne peut pas appeler ça mystique, parce que Marthe Robin avait quand même abandonné sa vie terrestre. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout abandonné ma vie terrestre, je suis dans la matière, j'aime bien manger quelque chose de bon, j'aime bien jouir de l'odeur d'une fleur, je ne suis pas du tout complètement détachée de la matière. Bon, tandis qu'elle, elle était donc, être un mystique, c'est quand même quelque chose, alors là, il y a des gens qui en sont, on peut en supposer certaines personnes l'être, moi je suis très loin d'être une mystique, je suis tout à fait dans la matière, mais j'ai essayé effectivement de me dire que, vous savez, moi j'ai un petit peu le point de vue d'un professeur qui est aux États-Unis et professeur dans une université, en France on ne pourrait pas s'amuser à dire ça parce que nous sommes dans le pays de Descartes, qui dit il ne faut pas croire que nous sommes des êtres physiques faisant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience dans la matière. Je trouve que cette phrase est très belle et que c'est tout à fait exactement ce que je sens. J'ai l'impression qu'on vient tous d'ailleurs et qu'on est des esprits, et qu'on s'est matérialisé pour évoluer dans la matière, et on évolue dans la matière. Mais il faut quand même ne pas perdre le fait qu'on a... Vous savez, je crois que la bonne définition, c'est d'avoir la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Alors, il ne faut pas non plus complètement décoller, parce que des Marthe Robin, il n'y en a pas eu beaucoup.
coup, c'est merveilleux, mais il faut sacrifier sa vie pour l'humanité, c'est pas, on n'est pas tous capables de le faire. Et en même temps, quand on est sur la Terre, il faut se dire qu'on a quand même autre chose à faire que d'être purement dans la matière et de se dire qu'il n'y a que la matière qui joue, parce que sinon, ça nous mène à la société dans laquelle nous vivons, où tout le monde est mal et tout le monde va mal et ça ne s'arrange pas. Donc à partir du moment où on arrive à voir les deux, je pense qu'à ce moment-là, c'est une bonne chose, sans être un mystique pour autant. Oui. Et alors, quand on a eu des expériences comme celle-là, moi, on m'a dit, oh oui, mais tu sais, elle t'a roulé. J'ai eu ça. Bon, et on sait, on peut me dire n'importe quoi, me prouver par A plus B que je me suis trompé. Je sais que ce que j'ai vu dans le ciel, c'était quand même des lumières très, très anormales avec ce gyrophare qui tournait. Je sais que je n'ai pas eu la berluque, nous étions 5 personnes à l'avoir vu. Je sais que Marthe Robin n'était pas une tricheuse. On n'a pas besoin de preuves. Si on dit, je vais vous prouver que, vous ne prouverez rien du tout. Mon expérience vaut plus que tout, vous savez, je crois que l'expérience est la meilleure des choses, c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour expérimenter. Exactement. Et c'est important de Eh bien ça sera notre conclusion, en effet, ne croyons à rien, expérimentons. Merci à vous. Au revoir.